Salut à tous, c'est Louis Gecko Minecraft pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 des constructions d'un parc aquatique et l'épisode 13 des constructions Minecraft. Donc, quand j'ai tourné en fait la vidéo de ce que vous êtes en train de voir, j'étais en 1.7.10 et depuis j'ai pris la 1.8. Après, il y a eu la 1. J'ai pris la 1.8, après la 1.8.9 et après la 1.9. Après là, 1.9.2, voilà. On va dire, ça fait très longtemps que... Il s'est passé beaucoup de temps entre les commentaires et la vidéo. Voilà. Donc, ce qui est bien avec la 1.8, c'est qu'il y a eu les lanternes des mers. Et les lanternes des mers. Et ça va beaucoup servir pour le parc aquatique. Pour les lumières et voilà. Donc, je trouve ça assez cool. Par contre, les blocs de la 1.9, ils vont pas vraiment me servir pour l'instant. Parce que voilà, je vois pas à quoi je vais servir, enfin ils servent pas trop pour l'instant. Il y a juste des escaliers violets. Bon, si on veut faire un château de princesse un jour, hein. Évidemment j'en ferai pas, hein. Ouais, c'est bon, si je dois faire un château, il sera médiéval, il sera pas princesse, hein. Voilà, je suis pas une meuf. Donc voilà, mais du coup ouais, pour l'instant ça sert à rien. J'ai amélioré la ville. Vous voyez la ville où il y avait la ferme, le Jaco Market et la bibliothèque. Je l'ai beaucoup améliorée. Car oui, si vous ne suivez pas le truc, c'est je compte faire une ville à la fin avec toutes les constructions. Déjà, premièrement, la ferme, je l'ai améliorée. Je l'ai même déplacée, je l'ai mis derrière les markets. J'ai rajouté, j'ai fait genre une grange. Avec tous les animaux à l'intérieur, avec les poules, les moutons, les vaches, les cochons. J'ai mis des chevaux aussi, juste à côté. Enfin, de toute façon, vous verrez ça plus tard. Mais c'est juste pour vous dire ce que j'ai avancé tout. Oui, donc j'ai rajouté une boucherie et une boulangerie à côté du Jaco Market. La route, au départ, elle était noire. C'était une route avec de la laine noire. J'ai changé, j'ai mis de la roche pour faire route grise. Je trouve ça mieux pour une route. J'ai mis aussi avec de la laine blanche, des traits, hein, pour faire les lignes des routes. Et pareil pour le parking du Champiland, je l'ai amélioré. Il est beaucoup mieux avec du gris qu'avec du noir. Car le noir, ça faisait trop sombre et... Dans la ville, les routes ne sont pas si sombres que ça. Donc c'est... Voilà quoi, c'est assez dommage. Donc là, on est en train de faire le restaurant du parc aquatique. Voilà, donc je suis en train de faire les tables. La fameuse technique des pistons. Pour dire qu'il y a des tables. Voilà, je trouve que c'est une bonne technique, c'est pas mal. Donc là, j'ai un peu bugué. Voilà. Avec des bugs de redstone. Comme vous pouvez le voir sur le côté à gauche, hein, il y a un aquarium, mais il n'y a pas de poisson dedans. Voilà, donc voilà le truc. Là, j'ai un peu avancé, j'ai mis des feuilles en plafond. Je trouve que c'est peut-être un peu mieux. Non, en fait, je sais pas si c'est bien. Enfin, bref. Donc là, je suis en train de vous faire une visite guidée. Voilà, donc l'entrée avec le dauphin, hein, la tête, hein, qui permet de payer. Ici, la réception pour demander des flyers, c'est tout pour le truc. Ou une carte, hein, du parc aquatique. Là, ici, la boutique du souvenir qu'on a mis à l'entrée. Car l'entrée sera aussi la sortie. Des distributeurs de bouffe, après voilà, des petites têtes comme ça. Une belle fontaine. Un petit décor de merde. J'ai voulu faire un bateau qui s'écrase. Mais... Pour finir, j'ai dit obre, hein. C'est trop dur à faire. Ensuite, bah, le restaurant avec l'aquarium. Il n'y a pas de poisson dedans. J'en ai pas encore mis. Voilà. Et puis le bar, hein, qui est juste là pour commander à manger. Et oui, j'ai fait aussi des tables dehors. Comme ça, s'il fait beau, on peut manger dehors et ça, c'est cool. Comme ça, on va là où il y a les barrières et on commande. Bonjour, je voudrais un burger frites. Bon, je vais arrêter de vous parler de bouffe, hein, sinon après vous allez avoir faim. Là maintenant, on va faire le premier bassin. Enfin, c'est juste, c'est que c'est un bassin à toboggan en fait.
qu'on va faire maintenant. Donc là, je suis en train de faire le contour. Voilà. On va faire le contour. Donc là, il y aura de l'eau à l'intérieur, bien sûr. Hein, de l'eau de 2, c'est bien. Pour de hauteur. Je trouve ça, c'est bien. Comme ça, voilà. On va mettre de... C'est de l'argile, hein, je crois. Ouais, de l'argile bleue. Comme, parce qu'on va pas laisser la terre. Parce que la terre, c'est très, très moche. Hein. Franchement, on peut pas laisser ça à l'intérieur d'un bassin. Voilà. On met aussi sur les côtés. Et oui, vous voyez... Et oui, au fait, bah justement, la maison là-bas, là, que vous voyez. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est la maison qui donnait à la bibliothèque. Il y avait un commande bloc qui permet de se téléporter à la bibliothèque. Et ben la bibliothèque, j'ai supprimé. Car franchement, je me rendais compte, elle était très moche et ça allait pas avec le truc de la ville. Donc du coup, je l'ai supprimé et on le fera. On mettra la bibliothèque plus tard. Et du coup, la maison, ben, je l'ai abattue. Parce que je me dis, après, il y a le parc aquatique qui va prendre une bonne partie du truc. Une bonne partie de la maison, donc autant supprimer la maison. De toute façon, ce genre de maison, on fera plus tard. Voilà. On va finir le sol maintenant. Non, mais c'est vrai... ce truc là, je l'avais tourné en 2015, vers octobre, je crois, la vidéo comme ça. Oui, c'est pour ça que je suis très... je suis un peu trop en retard avec les commentaires et ça. Donc voilà, c'est parce que quand j'ai pas envie de commenter, je commente pas. Parce que bon, c'est logique, je vais pas faire quelque chose que j'ai pas envie. Hein. Donc voilà. Et là, j'avais envie de commenter. Je me suis dit, tiens, je me fais chier, j'ai rien à faire. On va commenter cette vidéo. Et en fait, ce que je fais, en fait, pour tourner les vidéos, je fais juste des petits films, voilà. Dès que j'ai plus envie de filmer et de faire une vidéo, je coupe. Et je la terminerai plus tard, voilà. Et après, je rassemble tout au montage. Et ça fait un beau truc. Le toboggan maintenant. Oui, il y aura 3 toboggans, hein. Un orange, un vert, un bleu, qui auront la même forme, hein. Ils auront la même vitesse de descente. Donc là il y aura pas de rails, hein. Je pense dans d'autres toboggans je mettrai des rails, ce serait mieux. Je me fail et j'ai pas encore corrigé. Vas-y. I can't hold it.
En attendant, je vais vous dire au revoir car la vidéo va se terminer. Le lien de ma page Facebook, de ma chaîne principale et de mon site web se trouve en bas de l'écran à gauche. A plus, bye. Ça se trouve aussi dans la description bien sûr. Ciao.